RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le café des sports... Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le café des sports de Radio Foot. C'est à déguster en audio comme en vidéo. Dans votre poste de radio, sur France 24 ou encore sur les réseaux. La star, c'est bien évidemment Rémi Ngono. Bonjour. La star, c'est toi et bonjour. C'est moi la sur... star. Vous rigolez ah oui, ou quoi parce que tu as pris la place d'Annie. Oui, mais c'est vraiment un intérim très court. Hein. Vous savez, les intérims, ça dure pas. Hein. À part peut-être en Côte d'Ivoire. On, on, on en reparlera. Autre habitué, autre cadre, autre pilier du café, c'est Xavier Barret. Bonjour, bonjour. Salut mon cher Hugo, Xavier. bonjour à tous. J'en profite pour saluer l'aroma qui va beaucoup mieux depuis que José Ngono Mourinho est parti. <laughs> <laughs> il lance les hostilités sur un sujet qui n'est pas au menu. Donc ne répondez pas, on va perdre du temps. Rémi, s'il vous plaît. On va introduire notre troisième invité du jour. Quand il s'agit de parler foot africain, eh bien il ne dit jamais non. Son nom, c'est Franck Simon. Bonjour Franck. Salut Go, messieurs, bonjour. Au menu du café, les Marseillais à jamais les derniers en Ligue Europa cette année. C'est signé Aubameyang, c'est signé Jean-Louis Gasset. Quel rebond Monsieur Jean-Louis, quel rebond après avoir touché le fond, c'était il y a un mois, après s'être sacrifié pour laisser la Côte d'Ivoire gagner la Coupe d'Afrique des Nations, gassé remplacé en pleine canne par Emers Faye pour le résultat que l'on connaît. Faye confirmé cette semaine à la tête des éléphants, l'effet Faï peut-il être permanent On verra ça en 2025 au Maroc, a priori ce sera en été, le risque c'est que les compétitions s'entrechoquent, et oui. Cannes, mondial des clubs, c'est le casse-tête du calendrier, on en parle dans un instant. Et puis la Mannschaft retrouve l'un de ses héros, un certain Tony Kroos. Je ne sais pas si vous connaissez Rémi Ngono, bien, il reviendra jouer avec l'équipe allemande. On est à quelques mois de l'euro. Le milieu du Real sort de sa retraite internationale pour encadrer la nouvelle génération allemande. Enfin, rendez-vous dans les dernières minutes de l'émission. Eh bien, pour les traditionnels cartons. <truits> Je ne sais pas s'ils vont la gagner. En tout cas, ils vont rester dans la Ligue Europa, les Marseillais. Cette saison en pleine crise sportive, l'OM a dominé le Shakhtar Donetsk hier en barrage retour. Deux partout à l'aller, puis trois au Vélodrome ce jeudi. Les Ukrainiens ont mené, mais Aubameyang a égalisé. Ismail Assar a doublé la mise et puis Kondogbia a scellé le succès marseillais. Voilà qui devrait réconcilier. Jean-Louis Gasset avec le football africain. Gasset, sélectionneur déchu de la Côte d'Ivoire. Et déjà quatrième entraîneur de l'OM cette saison. Pour la petite histoire, au prochain tour de la Ligue Europa, il retrouvera bien le premier de ses prédécesseurs cette saison, à savoir Marcelino, qui est aujourd'hui sur le banc des Espagnols de Villarreal. Euh... Mon cher Franck Simon, je vais vous laisser ouvrir le bal. On va attendre un peu pour avoir notre Rémy notre dose de Rémy N'Gono hebdomadaire. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Jean-Luc Gasset pour cette victoire à qualification marseillaise Effectivement, il n'a pas eu énormément, à, pas beaucoup de temps à passer avec cette équipe. Je crois qu'il y, y a eu quoi Trois séances et la prépa de la, prépa de la rencontre. Ça peut suffire au niveau de, des mots, mais l'effet, il vient surtout au niveau de, de la stratégie. Il est, il est revenu à un système de jeu qui, visiblement, convient mieux à ses joueurs et à cette équipe. Et dans un premier temps, effectivement, ça a permis d'aller chercher ce succès. Et en plus, moi, ce qui me, ce qui me plaît dans ce succès, c'est un succès où, dont les fondations reposent sur trois internationaux africains. Que ce soit Ismail Assar, que ce soit PEA et que ce soit Kondobia, euh, on a là des, des joueurs importants. Qui plus est, on a deux capitaines africains. Donc, euh, ouais, moi, je suis content euh, d'abord pour eux parce que. Et pour le football français surtout. <laughs> C'est le seul club qui survit à ce tour de compétition. Ils étaient quatre hier soir et ils sont plus qu'un seul aujourd'hui. Bravo à l'OM et donc on est obligé. On est obligé de dire bravo à ceux qui étaient sur le banc, en l'occurrence à Gasset et son entourage. Et tout comme on est obligé d'être honnête, Rémy Ngonoé, de citer les clubs français qui ne sont plus en Ligue Europa. On a Lens, Toulouse Rennes. et Rennes. Rennes qui a fait pas mal contre le Milan AC, mais ça ne passe pas. On revient à Marseille, effet Gasset ou pas selon vous, pour cette qualification, Ramin Godot Effet Cannes. Effet canne. Ah oui, parce qu'un grand homme... Aubameyang était à la Cannes Non. Un Ni Kondobia. était à la canne vous, vous avez parlé... Ismail n'est euh, pas allé très loin dans la Cannes. Vous, vous avez parlé de l'effet Gassé. Ah. Il était à la Cannes. Et oui. il a vu comment ça se <laughs> passe à la Cannes, et il a justement pris des leçons. C'est-à-dire qu'au niveau des changements, il faut savoir que la victoire de l'OM vient du banc. Or, justement, c'est ce qui a fait défaut à Gasset avec la Côte d'Ivoire. Et lorsque, justement, il a vu son successeur a su utiliser le potentiel du banc, je crois qu'il a bien compris que, et aussi des joueurs qu'il avait, c'était ça. Deuxième chose, effet calme. C'est quoi C'est qu'il a parlé aux joueurs. Il n'a pas parlé de tactique. Et d'ailleurs, il le dit 24 heures avant le match, qu'il n'y avait pas de temps pour préparer le match. Mais, il fallait dialoguer, il fallait causer avec des joueurs de telle sorte que certains d'ailleurs pouvaient se retrouver en pleurs, certains étaient émus, certains avaient senti quelque chose. Le football, c'est d'abord le mental. C'est de la même façon que les joueurs ivoiriens qui étaient déjà morts et qui sont ressuscités ont réussi à retrouver un mental d'acier parce qu'il y avait un sélectionneur qui a dû parler. Donc, Gassé a vu que... Une équipe peut se métamorphoser par le mental et il a préparé le match rien que mentalement. Certes, les Ukrainiens ont chuté physiquement parce qu'il faut quand même se dire qu'ils étaient à ah, court de C'est bien, car... bien de le dire. Ouais. C'est bien de le dire. De que que, si on sincèrement... parle de mental, euh, bon, la situation ouais, autour mais... de ce club... Euh... Duquel du, du Shakhtar Donetsk Oui, voilà. Ben, C'est dramatique. C'est un club... Euh... Qui est obligé de vendre ses meilleurs joueurs, en l'occurrence son gardien Troubine, euh, cet été pour survivre, pour avoir encore un peu d'argent. Euh, L'effort de guerre fait que bah, beaucoup de, de joueurs euh, effectivement jouent presque gracieusement, j'allais dire. Euh, les autres sont partis à l'étranger. Les étrangers, à une ou deux exceptions près, sont tous retournés, pour la plupart, au Brésil. Euh, donc c'est un club qui, bon, qui, qui est là, euh, qui n'avait pas eu de match de compétition depuis deux mois. Et j'entends, là, ça y est, on voit l'OM gagner la Ligue Europa. Non, mais. Personne n'a <laughs> dit ça. Non, ah mais que non, tu, tu recontextualises t'as raison. Je vois. Mais, mais, je... mais cherche pas, cherche pas des je, excuses. Je vois les réseaux sociaux, les gens ah, qui s'enflamment, okay. l'OM. Euh, ça y est, on va gagner la Ligue Europa. Non, mais attendez. L'OM a fait le minimum vital et tout autre résultat aurait été catastrophique, effectivement, pour le football français, mais aussi pour Marseille. Que Marseille ne gagne pas face à un club qui n'a plus joué en compétition depuis deux mois et qu'ils auraient d'ailleurs dû battre à Hambourg avec un peu plus de rigueur puisqu'ils menaient 2-1 dans les arrêts de jeu, euh, c'était le minimum. De là à dire que l'OM est ressuscité, attendons un peu, l'effet gacé, on va attendre. Il a fait un truc qui était très simple et avait d'ailleurs fait d'autres entraîneurs déjà cette saison puisqu'il c'est le quatrième, euh, c'est-à-dire il remet une défense à 3 comme font ouais. beaucoup d'entraîneurs de, quand euh, ça, ça patine un peu, bah on, on bétonne derrière et puis on voit ce qu'on peut faire devant. Il y a quand même des attaquants de qualité. Aubameyang, même s'il n'est pas très régulier, c'est quand même un, un joueur qui a un pied pour marquer des buts. Voilà, ils ont réussi à gagner, mais franchement, c'était un succès euh, pas très convaincant, j'attends de voir sur la durée. Mais juste avant de parler d'Aubameyang, euh, Franck Simon, Jean-Louis Gasset, il y a un contexte euh, du côté du Shakhtar, il y a un contexte du côté de de l'OM et de Jean-Louis Gasset. Alors l'OM 9e de Ligue 1, quatrième entraîneur déjà cette saison, ça va pas du tout euh, sportivement. Et puis Jean-Louis Gasset, euh, éjecté euh, de lui-même ou pas euh, d'une canne, que son équipe. Bah, finalement, -Kiri. Bah, finalement, remporté. -Kiri, oui, non, mais on parle d'un homme de 70 ans euh, qui a peut-être vécu la pire désillusion qu'on puisse vivre quand on est Entraîneur, en tout cas, c'était un échec sur le plan personnel. Il rebondit dans un contexte où personne ne veut de lui. On le comparait à Joe Biden, et c'était pas une comparaison positive. Personne ne veut. Non. Et finalement, <laughs> certains, il commence par supporters. une qualification. Je suis pas d'accord. Il lui. commence par une qualification. Non, mais il a un mental aussi, notre ami Jean-Lucas. On bien parle sûr, de mental. Avec bien crédit. sûr, bien sûr. Il a une expérience, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est allé le chercher d'abord parce qu'il était il était disponible, on, il l'avait sous la main. Que il a l'habitude en fait de démissions comme ça qui sentent pas très bon. Faut bien le dire il avait fait Saint-Étienne, il avait Il a l'habitude de toutes euh, ces missions où il Bordeaux. faut mettre les mains dans le cambouis où euh, il faut c'est effectivement faut un petit peu passer de comme tu l'as dit hein, un peu un peu la vaseline, un petit peu caresser dans le sens du poil les mecs, les remettre aussi dans le bon sens ceux qui ont été mis de côté, comme on dit remettre tout ça à zéro, il a réussi sur ce match très particulier comme l'a signé Xavier. Maintenant, est-ce que l'effet peut se prolonger Ben on va on va savoir très très rapidement, mais ils avaient besoin de ça pour pouvoir se relancer. Je pense que lui aussi, il a eu le droit à un petit peu de pommade de la part de ses anciens joueurs qui ont gagné la canne, de la part de, de l'encadrement technique à travailler avec lui en disant, on lui doit aussi certaines choses. Je pense que ça l'a reconforté dans, dans, certaines, dans certains de ses choix. On n'a jamais dit que c'était un, un génie de, comme technicien, mais ça fait pas lui non plus le pire des entraîneurs français. Il sait faire dans ces missions-là. Il a échoué avec la Côte d'Ivoire, en partie, mais euh, reconnaissant lui au moins le fait d'avoir conduit cette équipe à un succès important. Moi effectivement, je suis un peu comme tout le monde. Je suis un peu circonspect. Voyons ce qui va se passer d'abord en championnat, où il jouera des équipes qui sont pas qui n'ont pas un match hein, tous les deux mois, mais euh, mais contre des équipes qui qui vont avoir envie de faire tomber cet OM. Et on va distribuer le premier carton de l'émission à Xavier Barré, hein, qui n'a pas éteint son son téléphone, oh, oh. euh, n'est-ce pas C'est fait maintenant. C'est fait. <laughs> faut avouer. Faut carton avouer. Carton jaune alors. Carton jaune. <laughs> voilà carton jaune. Carrébrico ouais. Bameyang, Rémi meilleur buteur de la Ligue Europa cette saison, sept réalisations, c'est très bien, mais surtout meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa, 31 réalisations en tout, il dépasse un certain Falco. Je parle uniquement de la Ligue Europa, c'est-à-dire depuis la fin des années 2000 ou début des années 2010, hein, qui, qui a remplacé la Ligue Europa, la, la Coupe de l'UFA. Aubameyang, légende, sur la base légende de ce record Légende comme Jésus-Christ. En décembre, tout le monde disait, crucifiez-le. Et Aubameyang n'a pas été crucifié malgré l'enfer qu'il a vécu quand même au Vélodrome. Parce qu'il faut aussi dire que c'était pour on disait, mais il était un véritable flop parce qu'on était parti le chercher à, et qu'il gagnait 700 000 euros par mois. Mais aujourd'hui, on se rend quand même compte ce qu'il peut remettre, rendre à Marseille. Et c'est aussi une occasion de dire à certains supporters de Marseille que on ne peut pas chaque fois crucifier des gens comme Aubameyang et, et surtout dire qu'ils sont Peut-être là comme si c'était des escrocs. Non, Aubameyang avait été recruté par Arsenal à 63 millions. Et d'ailleurs, Arsenal, il gagnait 1,7 million sept euros. Donc, il n'est pas venu comme un grand escroc pour venir dévaliser les caisses de Marseille. Si le Barça l'a vu, c'est parce qu'il est un grand joueur. Il fut un temps où Aubameyang pouvait aller même au Real Madrid. Il était, un grand il joueur, était sollicité. S'il était un grand joueur, il ne serait pas bien classé au, au classement des buteurs de la Ligue Europa, mais de la Ligue des Champions. On, on juge les grands joueurs en Ligue des Champions la Ligue Europa c'est la consolante alors effectivement elle a pris un peu plus Giro, de qualité Mais que tu vantes ici. Mais, 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 il Giro, a marqué Giro, combien de buts en Ligue des Champions un, un peu de respect mais, quand même mais, un, mais, 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 un peu de respect, mais, non, mais il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, faut relativiser les choses comment tu peux choses. parler comme ça c'est un très grand champion, non Rémi c'est un bon joueur qui a fait une belle carrière mais chaque fois qu'il a fallu on parle de Pierre-Emerick Aubameyang on parle de Pierre-Emerick Aubameyang chaque fois qu'il a dû euh, élever son niveau, et eh ben il a calé, mais ça ça enlève rien à ses qualités. Il a fait une très belle carrière, il est en fin de carrière mais maintenant. Pas un mais c'est pas un super, bah, pas un super un joueur non plus. Faut arrêter. Mais mais meilleur buteur à la main. Oui. Tous les avant-centres de Dortmund ont été un moment ou un autre meilleur buteur. On n'entend plus rien. On comprend plus rien. Donc quand Franck vous avez un Simon. système de jeu qui est fait pour vous, c'est bien. Et, et, et mais et quand la... après, il faut faire non, la non, différence. Rémi, Rémi, ça Rémi, suffit La plus. tempérance de Franck Simon pour faire l'arbitre. Bah, la tempérance, non. Mais c'est qu'il y, y a un juste milieu. Effectivement, euh, moi, j'ai envie de m'inscrire entre, entre les deux, là, tout simplement parce que je suis d'accord avec toi. C'est pas un joueur de classe mondiale, tu vois, dans le sens quelqu'un qui peut aller chercher les étoiles, chercher une Coupe du Monde. Et on l'a bien compris. Mais à côté de ça, ça reste quand même. Un, ça, ça a été, ça a été jusqu'à il y a pas très longtemps quand même un grand attaquant du, du football européen et, euh, et il le doit aussi à, à son travail il le doit aussi peut-être à des clubs qui l'ont mis en valeur mais, euh, mais un peu, tu peux pas Xavier ben dire attends, tu mais que peux pas saint que c'est un joueur il saint étienne il a fait une un peu respect, belle progression Dortmund il a été il a au continué. bon moment après Arsenal bah quelque part ça n'a pas été une réussite Puisque justement il là, le meilleur buteur là, de, de, de première ouais, ligue, une saison là à égalité avec, là on l'attendait, euh, en... il voit que rien. Là on l'attendait en Ligue des Champions, il se retrouve en Ligue Europa. Voilà, mais donc mais il, a pas fait, il a pas fait faire. On était Allez. là en dire c'est formidable, il va Juste, amener le, le, bah non, le mot, le mot de la fin sur ce débat, après il Gono. se retrouve à Barcelone. Voilà. Ah, c'est pas mal, Barcelone. Ah, attendez, mais, attendez, mais, pour un joueur pour... qui serait et, terminé, et Xavier, et, et Xavier comme... il a fait, voilà. euh, Le petit signal pour euh, que vous. C'est un très bon joueur. super. Conclure, Rémi Gono, sur Faites court sur Aubameyang Juste pour appeler à Xavier Barré, qui aujourd'hui se rend quand même compte que. C'est ce Aubameyang qui est en train de sauver même la France de l'indice UEFA. Qui sauve le football français pour l'instant, c'est Marseille qui est qualifié. Sur le match en tout cas, c'est aujourd'hui. Quand on voit que ces buts ont été essentiels même pour Ajax, Amsterdam, alors que Xavier Barré vante toujours qu'il faut aller chercher des points pour la France. Mais aujourd'hui, il dit ça n'a pas été un super joueur qui peut aller chercher des étoiles. Il a pris la des Ligue étoiles Europa. pour la France. La Ligue Europa. Il a pris des étoiles pour la France. c'est a a un, bon un bon joueur de Ligue Europa. On ne va pas cracher dans le puits où tu iras puiser de l'eau pour encore boire. C'est le meilleur buteur de la Ligue Europa, de l'histoire de la Ligue mais Europa. Mais c'est vrai qu'en Ligue, Ligue, en, en Ligue, Ligue 1, il a marqué moins de buts qu'en qu Ligue Europa. Il en est qu'à six réalisations. Mais voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, respect, on a compris, autour de, de cette table. Même si quelques bémols sont apportés par Xavier Barré. Le débat est clos, on enchaîne. L'avantage avec la victoire, le succès de Jean-Louis Gassé c'est qu'on peut parler de son successeur avec un tout petit peu plus de légèreté dans le cœur, Hermes, Emers, pardon, Et Hermès, pardon. Hein, pas d'Hermès, s'il vous plaît. Hermès euh... Faé, Hermès Faé. Ah, oui. Je l'ai bien prononcé cette fois. Emers Fae, qui est donc la, la bonne fée des éléphants. Il les a trouvés au, au fond du seau, presque éliminés de leur canne dès le premier tour. Et il les a hissés sur le toit du continent devant euh, leurs supporters. Euh, je pense que vous connaissez tous l'histoire. On ne va pas une nouvelle fois la, la rappeler. Euh, Fae l'intérimaire, euh, Franck Simon, qui euh, devrait devenir fay le permanent. Il reste que... Quelques détails à régler. Est-ce qu'il va transformer, laisser Est-ce que le, le, le miracle peut avoir une forme de, de, de permanence et, et se pérenniser, selon vous Je pense qu'il en a l'envie, il en a, le, il en a la, la volonté. Après, il faut aussi que les, les autorités, la fédération, fassent en sorte qu'Emers et puis son encadrement puissent signer un contrat à la hauteur de ce qu'il a apporté à cette équipe nationale. Il était, euh, il était effectivement intérimaire, il était adjoint, puis il est devenu intérimaire. Donc, euh, il a enlevé ses, ses oripeaux, ses habits d'intérimaire. Aujourd'hui, il a envie d'emmener de, de, voilà, cette équipe en Coupe du Monde. Pourquoi pas en 2026, ce n'est pas impossible. Euh, il, faut que les, il faut que les autorités fassent le même, nécessaire. C'est même un objectif, Franck. C'est euh, le groupe, bien, bien entendu. Si la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique, ne va pas à la prochaine Coupe du Monde, alors qu'ils ont déjà raté les deux dernières, ce serait clairement un échec. Euh, euh, c'est pas c'est pas ça le c'est pas ça le l'objet de, de la question. La question c'est euh, voilà lui est-ce qu'il peut s'inscrire dans la durée On sait très bien aujourd'hui que enfin je veux dire si effectivement t'apporte pas euh, si tu valides pas derrière des qualifs, euh, tu réalises pas des, des, des grosses perfs, ben, à un moment donné on va dire écoute sur, hein, sur les objectifs on va tous être d'accord. La, la question c'est est-ce que la, la méthode qui lui a permis de relever un groupe au fond du saut, euh, dans une canne à domicile, il y a un côté mission, commando. Non, non, mais ça ne suffit, suffit pas, Ça ne suffit là, pas. Autre... Au donc là, il va falloir autre chose. Est-ce qu'il ouais. a cette leviers. autre chose euh, ouais. moi, je le au pense. fond de lui Vous avez barré. Mais je, je sais, moi, je sais que c'est un passionné. En plus, il a été à bonne école au FC Nantes. Bon, donc déjà, il y a une bonne base. <laughs> Après, c'est vrai que la carrière internationale des Faye, c'est une belle carrière, mais ce n'est pas une carrière qui en impose comme celle d'un Drogba, par exemple. Donc, il va falloir qu effectivement... Un enfin, Drogba, il l'a pas... jamais entraîné. Hein. Je sais, mais naturellement, ouais. il a une, une autorité par sa notoriété, par son palmarès, que n'a pas Emers Faye. Mais ça, ferait Maintenant, pas de lui nécessairement allez, parler, On est d'accord. Mais, mais, mais Emers Faye, justement, va devoir continuer à démontrer ses qualités par ses choix techniques, son management, ses choix tactiques. Moi, j'espère qu'il va réussir, parce que je trouve que ce qu'il a fait jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, ça a été une opération commando, mais ça mérite de continuer. Ça me rappelle un petit peu les circonstances, même si c'était moins. Évident de, de Aliou Cissé. Il commence comme ça, il est dans le giron, puis il monte, et puis il travaille sur la durée. Euh, il faut souhaiter que ça fonctionne de la même manière pour emers ouais. et pour les éléphants. Rémi Ngonaud, là le problème c'est qu'Emers-Faille il a commencé par le Graal, il a commencé par le, le plus dur, alors ça peut rappeler Zinedine Zidane hein, avec le, le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions pratiquement tout de suite, on a d'autres exemples, euh, Di Matteo, par exemple, ouais. où là il commence trop, haut, puis il, il s'écroule, c'était en club, euh, là c'est vraiment inédit ce qu'a réussi euh, Hermès... Her... Et Merce. Merce, décidément, et Merce fallait euh, prendre une sélection en cours de route et, et l'emmener euh, voilà, à un titre. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il peut transformer l'essai Il devrait être décoré de la Légion d'honneur. Il devrait être déjà immortalisé. Parce qu'il faut quand même se dire dans quelles conditions il prend cela c'est qu'il est méprisé, il est ridiculisé, parce qu'on cherche quelqu'un qui est en France et qui est occupé. Et vous parlez d'Hervé Renard. Vous parlez d'Hervé Renard. Euh, Alors, vous voulez cette... se faire prêter du côté de la Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà qu'il vient comme une roue de secours trouée, parce que déjà il n'a pas capacité, il n'est pas jugé capable par son propre président. Mais maintenant, quand on me dit, il faut qu'il prouve, il n'a rien à prouver, parce qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui sont arrivés en Afrique, mais qui n'ont pas réussi, qui sont restés des années au niveau de la Côte d'Ivoire. Justement, il faut cesser cela. Je peux vous dire, par exemple, que c'est la même erreur qui avait été commise en 92. C'est-à-dire que nous sommes avec Guillaume Martial, qui va à la Coupe d'Afrique des Nations en 98. Et subitement, on dit non, attendez, celui-là, il ne vaut pratiquement rien parce que la Côte d'Ivoire a été éliminée. Et on dit, il faut en français. C'est Philippe Poussier. Et ce sont des joueurs qui ont refusé, qui ont soutenu le sélectionneur pour qu'il conduise la Côte d'Ivoire en phase finale. C'est-à-dire, nous étions à quelques jours. Et qu'est-ce qui s'est et, et qu passé Justement, Yo Martial est arrivé. Il a gagné. Il a battu l'Algérie 3-0. Et a même d'ailleurs eu à éliminer le Cameroun par 3 buts à 1. Et est parti battre. but mmh. Au tir au but, Logan le a Il a battu toutes les meilleures équipes mm -hmm. africaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Logan gagne ça et on reprend Philippe Toussier. Mais en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, il faut qu'on cesse cette mentalité. Il faut qu'on puisse donner la possibilité aux autres de pouvoir continuer. Certes, aujourd'hui, quand on voit le nombre de sélectionneurs africains qui ont gagné la canne, on se dit qu'ils n'ont pas mis à mettre assez de temps sur le banc. Les à trois... part peut-être euh, Hassan Chiata, qui peut-être a remporté aussi euh, trois cannes comme les, ça. Les, les trois dernières cannes remportées par des sélectionneurs euh, locaux, c'est-à-dire anciens internationaux de l'équipe euh, du pays euh, qu'ils ont finalement conduit à la victoire. Tout se dans le football français. Hein. Certes, ouais, mais on peut ouais, imaginer qu'une leçon est en train d'être euh, apprise du côté des fédérations africaines, qui vaut mieux quelqu'un qui, qui connaît vraiment le, le pays, euh, son football de l'intérieur, plutôt que d'aller chercher... Euh, quelqu'un de, de l'extérieur. Même euh, si c'est vrai euh, qu'on n'est pas passé loin avec euh, l'épisode Renard. Euh, tout à fait, mais je vais te dire, tous ne sont pas formés en, en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup sont formés en France, mais au départ même, quand vous le verrez en 57, quand le Ghana, par exemple, non, on va pas Ghana, 1950, et quand on 57, gagne, non, on non, non, je vais, je vais te dire, euh, les sélectionneurs là, qui ont remporté mais... le plus n'ont pas été formés en France Jamsi c'est Jamsi avec le ben Ghana c'est moi je pense qu'on ah, a, co oui, qu oui, a compris on a compris on a compris, on, on on a compris, compris et je pense que, 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 que... que ce que nous voulons Allez, dire aujourd'hui c'est que ce que nous voulons dire concluez Rémi ce que nous voulons dire bon. on a entendu ça fait 10 minutes que tu parles concluez Rémi ça fait 10 minutes que tu parles ce que nous voulons dire c'est que justement quand on prend un sélectionneur africain il n'a pas le même salaire que les sélectionneurs qui viennent d'ailleurs et qui d'ailleurs sont formés dans les mêmes écoles. C'est bien de souligner qu'ils sont formés en France. Mais quand il aura le salaire, il aura la moitié des sélectionneurs étrangers. Or. Ces gens qu'on qu prend comme des petits, on se rend compte qu'ils viennent avec des résultats parce qu'il y a un proverbe bon, africain respect, qui dit La petite africain. fourmi réussit à creuser la montagne. Oui, non, mais je pense que tout le monde sera, sera d'accord avec vous sur, sur le fond. Mais là, la, la question, c'est est-ce que. Voilà, Après, la, la question, est-ce est qu peut, euh, peut euh, que être le sélectionneur le, qui va le mener le problème la Fae à Fae, il, il va être très simple. C'est que pour faire réagir cette équipe après euh, la, le désastreux 0-4 contre la Guinée équatoriale au premier tour, qu'est-ce qu'il a fait il a, il a remis tout le monde dans la boucle, mais surtout, il a remis sur le terrain quelques anciens, notamment Max Alain Gradel, notamment Jean-Michel Serry, qui sont tous plus que trentenaires. Maintenant, il va devoir faire une sélection pour préparer l'avenir, pour préparer les éliminatoires, la coupe, enfin, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et il va devoir préparer l'avenir en intégrant des jeunes et en écartant ces vieux qui lui ont sauvé la mise. Donc c'est là où il va falloir que qu fa... c'est là où ont ont fait fait lui ont mais... fait signe qu'ils avaient envie d'arrêter aussi Xavier. C'est pas lui oh. qui les chasse, eux oh. ils ont dit on veut passer à autre chose. Mais, mais oui, ouais, on va voir, on en va tout, voir parce tout... que parfois il y a ceux qui arrêtent puis qui finalement veulent continuer ou puis qui arrêtent et puis vont revenir. Mais là ils ont donc, parlé qu'ils avaient envie d'arrêter donc ouais, on, ils on ont les a envie, pas mais bon, on les a pas forcément On va voir comment ça va être géré et c'est là qu'effectivement la tâche va être à mon avis la plus compliquée pour Emers Faye, c'est pas le terrain Il connaît. faut pas s'inquiéter. Non mais c'est pas ça, c'est sur sa qualité de management vis-à-vis de ces joueurs champions d'Afrique qui ont un statut et auquel il va falloir expliquer laisser la place aux jeunes. Au moins, euh, quand il euh, expliquera ça euh, aux vieux, comme vous dites, euh, il pourra <laughs> le faire avec un titre de champion d'Afrique euh, euh, marqué sur ça le front. Est, ça Donc ça va, aide pour la pour gagner, la légitimité. grâce à ces vieux. Et je peux vous annoncer en là, exclusivité que à ses vieux. Gra a été oui le jeune. On va On va pas, le, pas. On va pas eh, refaire euh, le bilan euh, de la c'était Rémi, 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 voilà. Rémi, là vous allez prendre, vous allez vraiment le prendre le jaune. Une information en exclusivité. Je ne serai pas sélectionné par Emers Fahé dont j'ai beaucoup trop. Écorcher nice. le, le nom, euh, c'est bien mérité. Vous <laughs> êtes être péché comme un Côte ouais, non là je pense pas, là c'est vraiment éliminatoire. On aura l'occasion de, de le tester, de l'éprouver de si je puis dire notre emerse faé euh, lors de la prochaine canne euh, qui arrive vite finalement et on en parle justement dans radio foot. <music> prochaine canne euh, dès 2025, donc l'année prochaine et a priori à l'été. 2025, d'après l'agence France Presse, la Confédération africaine de football aurait donné son accord au Maroc pour que le Royaume chérifien accueille la compétition reine du football africain en juillet et en août 2025. Donc, sachant que juste avant, du 15 juin au 13 juillet, toujours en 2025, il faudra pour certains joueurs disputer le nouveau mondial des clubs. Ben oui! Euh, la création Made in Genin Fontino, longtemps annoncée, ça aura lieu aux États-Unis. 32 équipes, des Européennes, des Africaines, des Asiatiques, avec des internationaux africains en leur sein alors est-ce qu'on va assister en 2025 à un été euh, meurtrier en tout cas pour les organismes et même un peu pour la crédibilité du, du football <laughs> mon cher euh, Franck Simon ah, j'aime bien quand, quand il y a des, des références cinématographiques comme ça cela dit c'est une bonne référence c'est un très bon film en plus oui enfin, bon bah, conseil c'est hein. un <laughs> film euh, c'est un bon film c'est un bon film, un bon film, un bon film à, à l'époque qui a défrayé la chronique on ne va pas rentrer dans le détail on ne va pas rentrer dans le détail et... mais c'est peut-être plus intéressant à regarder que le mondial des clubs de Gianni Infantino euh, bah, si vous me direz ah, voire... s'il existe vraiment Ouais. Bon Parce en tout cas Est-ce que ça paraît sérieux euh, bah, Tel attendez. que ça s'annonce aujourd'hui D'avoir mondial des clubs Et puis une canne dans la foulée Il euh, bah, y, y a eu euh, l'exemple en 2021 hein. Vous avez eu l'Euro et les JO Et là vous allez l'avoir à nouveau Donc euh, Oui mais les, les JO Dans les équipes de, des JO Vous n'avez pas forcément Beaucoup de joueurs Qui ont disputé l'Euro ou... bah, là, 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 là le problème c'est que Là vous aviez par exemple Pedri Pedri avait fait Euro-Espoir Euro avec euh, Des grands avec l'Espagne <laughs> Et Jeux olympiques avec l'Espagne qui allait en finale à Tokyo. Mais combien comme Ligue 1 Il n'y en a pas 36, effectivement. Oui, mais là, le problème, voilà. c'est que l'équipe d'Égypte, euh, le LRL va disputer euh, et on voit le, le, le Mondial et des, le des, des et clubs LR. et derrière, ils vont disputer la Cannes avec euh, 8, bah, 10 joueurs, 15 joueurs. Ça, ça c'est le bon LR. exemple, Hugo. Justement, pourquoi l'Égypte Parce que tu as le LRL. Euh, on sait que le LRL, c'est entre 5 et 10 joueurs. Le Zamalek. Euh, voilà, mais. Non, mais en l'occurrence, le Herli oui, oui. déjà, on le sait, est qualifié pour ce mondial des clubs. Voilà. Parce qu'il y a un certain nombre de. Mmh. Le Ouidad exact, euh, pareil pour le. Pour mais le, le représentant de l'Arabie Saoudite, euh, c'est le club de Yassine Bounou, par exemple. Ouais, le portier ouais. marocain. Donc, donc, on va avoir. Non, mais restons dans cet exemple égyptien. Parce que l'Égypte <laughs> a des chances d'être au Maroc en 2025, on va dire. Bon. Tu as, as une dizaine de, de joueurs comme ça, mais pas seulement des Égyptiens. Mais tu peux avoir des Maliens, tu peux avoir des Sud-Africains, etc. Enfin, tous ceux qui sont présents. Et ils vont se préparer quand ces garçons Parce que le EHLI, généralement, ils il passent à minima un tour. Alors, quand il y a un petit format de Coupe du Monde des clubs, euh, ils sont en demi-finale, ils font souvent troisième. On peut imaginer qu'ils iraient par exemple jusqu'en quart de finale. Mais après, comment tu fais Tu te prépares comment Tu rejoins le ta sélection mm. À quel moment tu libéré... Franchement, effectivement, ça peut être meurtrier sur le plan des organismes parce que tu peux avoir de la casse. On l'a vu déjà là l'ombre de joueurs qui ont été blessés dans les jours qui ont vrai. précédé le tournoi et c'est ça qui m'inquiète c'est pour les organismes. et puis là on va pas jouer euh, là on va, si on joue au Maroc c'est du 40 degrés hein. attention c'est hein. une constante la coupe du, la coupe d'Afrique des nations en 2019 en Égypte elle avait été décalée au dernier moment alors pour d'autres raisons c'était pour des raisons religieuses le ramadan ouais. ouais, euh, mais ça. elle avait été décalée et on, elle, on avait quand même eu une très belle coupe d'Afrique des nations euh, Malgré la chaleur. Euh, ouais, on avait des bons terrains, ça avait aidé aussi. Mais bon, là, vous allez avoir le, le Mondial des clubs qui va lui-même arriver après une longue saison, que, que ce soit tu tu en Europe euh... ou ailleurs. Non, mais... Tu finis le 13 juillet, tu commences le C'est le 23, problème de la, la surcharge des calendriers. Vous pouvez rajouter à ça une, un élément dont on n'a pas, pas encore parlé dans l'émission, parce que moi, personnellement, je ne l'ai découvert vraiment que la semaine dernière. C'est le nouveau format de la Ligue des Champions. Le nouveau format de la Ligue des Champions. Européenne, là, euh, parlez En Europe, avec deux journées supplémentaires de phase de poule qui auront lieu au mois de janvier donc il y aura plus vraiment de trêve dans les pays où il y en avait encore une un peu l'allemagne euh, par exemple il y aura plus vraiment de trêve euh, et, et donc les joueurs africains euh, et les autres d'ailleurs qui sont engagés dans les grands clubs européens parce qu'il y aura aussi deux journées supplémentaires en ligue europa eh bien vont vont jouer tout le temps tout le temps voilà, donc les syndicats, notamment pour ce qui est de la France, l'UNFP, mais après au niveau international, mmh. la FIFA Pro s'indigne, s'insurge contre ces projets qui s'enquillent et qui ne tiennent pas du tout compte de la santé des joueurs. Après, on est dans une logique économique où il faut des compétitions qui dégagent de l'argent pour payer de plus en plus de joueurs et pour payer de plus en plus cher les superstars. Voilà, donc euh, qui va mettre fin à ce système sûrement pas, pas, la la, FIFA. pas la FIFA. Ouais. Pas ah pas la non, FIFA, a priori, pas la, la FIFA ne hein. <laughs> semble pas vraiment très intéressée par le problème de, de ralentir la, la cadence. Rémi Ngonaud, qu'est-ce que ça vous inspire cet été 2025 tel qu'il s'annonce sur le papier Terrible, parce que déjà, il faut savoir que depuis la Coupe du Monde au Qatar, tout est bouleversé. Et c'est là où tout a commencé. Et puisque justement, aussi les syndicats de joueurs, les syndicats de clubs ne défendent pas deux. Joueurs, ils ne dépendent pas, ils ne défendent pas, ils dépendent plutôt de l'argent. Donc ils sont derrière là. Et c'est pour ça que aujourd'hui les joueurs se retrouvent comme des orphelins, même si c'est pas des malheureux. Mais lorsque vous voyez le nombre de blessés qu'il y a eu, parce que d'abord aussi il y a un déphasage climatique. Vous partez de l'hiver et vous tombez dans l'été, vous repartez ceci et cela. Ça fait de telle sorte que l'organisme lui-même n'a pas de possibilité. De s'habituer aussi facilement. Les organismes deviennent donc très fragiles. Et cette fois-ci, quand vous voyez Infantino, qui pourtant devrait se soucier qu'aujourd'hui, il a peut-être une Coupe du Monde, qu'il a réussi à revaloriser, qu'il revienne maintenant avec un mondial des clubs alors qu'il a dit aux Africains qu'il voulait revaloriser la Cannes. Là maintenant, qu'est-ce que les joueurs africains vont faire Certainement, comme ils sont payés par leur club, ils vont saboter, ils vont saborder la canne. Et la canne qu'on voulait nous vendre, les Infantino l'Africain, finalement c'est lui qui vient tuer le football africain. Est-ce qu'il n'avait pas suggéré de la passer tous les 4 ans Infantino si, me oui, le Il aurait bien les... aimé. Ça fait longtemps déjà, oui, il bien ah, aimé. Non, si, oui. si on doit interpréter, si on doit lire oui. entre les lignes de sa, de, 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 de déjà sa politique. Déjà la FIFA avant euh, Infantino, du temps de Blatter, voulait que les compétitions continentales inter aient lieu tous les 4 ans. Et la CAF, la Confédération africaine, est la seule qui la maintient tous les deux ans. En Asie, euh, euh, avec le cas particulier de, de la côte pour la Copa América, qui effectivement a lieu presque tous les ans, c'est vrai. Mais euh, l'euro le, a lieu tous les quatre le ans. Le mondial la des Asie clubs peut se faire même ans. tous les 8 ans, 12 ans. Hein. Non, mais le mondial des clubs... Bah sur le format actuel, <laughs> a lieu tous les ans. Ah oui, euh, a lieu là, tous mais les ans, mais ça, mais il il est est à 8, équipes, à 8 il, équipes. Il est très restreint. Donc mais voilà, restreint, 8 il, équipes, il, il, il y a, passe, il y a 8, on va dire... Mais l'avantage, c'est que vous, chaque année, vous avez le champion de chaque continent qui se retrouve. D'ailleurs, ça change. Ça peut être au Maroc, oui. ça peut être au Qatar. Aux alors, aux de, Israoui, en 2025, euh, euh, on aura le, le... le... Et là, on fait un espèce de monstre à 32 ouais. équipes. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Avec des équipes qui le méritent amplement, comme le Paris Saint-Germain, qui règne sur l'Europe depuis plusieurs années. Qui règne sur le foot français. On est vraiment sur quelque chose qui respecte l'équité sportive. On doit avancer. Je suis désolé, Franck Simon. On aura l'occasion d'en reparler secondes, ou pas. 30 secondes, 30 secondes. En vérité, oui. ce sont les principales sélections nationales africaines qui risquent de souffrir de ce mondial. C'est pas si on a le Malawi ou le Zimbabwe ou le Soudan, c'est pas ces sélections qui, qui risquent de souffrir. C'est vraiment les gros. Et du coup, ça risque de rebattre les cartes, et notamment au premier tour, ce qu'on a déjà vu là, sans mondial des clubs. Entre deux cannes, en tout cas, il y a l'euro. C'est l'été, comme toujours, l'euro. Toni Kroos kehrt für die Heimem in die deutsche Fußballnationalmannschaft zurück. Toni Kroos! Ce qui change néanmoins, c'est que le football n'est plus un jeu qui se joue à 11 contre 11 et où l'Allemagne gagne à la fin. Elle se ridiculise plutôt cette Mannschaft euh, au fur et à mesure que les tournois s'enchaînent. Alors au grand mollet, grand moyen et le retour d'un glorieux ancien, un certain Tony Kroos, 34 ans et encore de, de très beaux du côté du Real Madrid. Euh, vous le connaissez ce, ce joueur, euh, Rémy Gonneau Ça vous inspire quoi de le voir revenir en, en, en National Mannschaft pour encadrer euh, cette équipe qui n'arrive plus à retrouver sa, sa splendeur passée. C'est un plaisir dans la mesure où c'est une expérience que le Cameroun avait eu à faire d'abord hein, avec Roger Mila, parce qu'on sortait d'une Coupe du Monde où on n'avait pas de buteur, et puis... Euh... L'inspiration du premier sportif camerounais avant-centre <laughs> lui-même, Paul Biya, avait eu à euh, sélectionner son coéquipier Roger. Tu réécris l'histoire. Réellement sérieux. C'est drôle. drôle. Ouais, Mais c'est drôle. <laughs> ouais, drôle. On se ressent. Bon. Ah ouais, <laughs> ça, ça vaut le coup. Il ah faut là, la garder la ouais. séquence. Là. Voilà, donc, il était revenu, puis il a brillé à la Coupe du Monde. Tout le monde savait. Le vieux Rodien, c'est d'ailleurs qui allait jusqu'à 42 ans. Et qui, D'ailleurs, a été celui-là qui nous a sauvé de la pire des humiliations face à la Russie en marquant le seul but dans cette déculottée-là. Mais bon, aujourd'hui, quand Tony on Cross. voit Tony Kroos, Tony Cross n'est pas plus vieux que Roger Mila. Et au-delà de ça, quand on voit le rendement de Tony Cross au niveau du milieu de terrain, c'est le joueur qui n'a pas besoin de courir. Et d'ailleurs, un spécialiste disait. C'est le seul joueur du Real Madrid, généralement, comme on dit, le Real Madrid, euh, il faut se salir le maillot, mais pas avoir la honte. Mais lui, il peut arriver au stade, il ressort du stade, s'inscrire, s'inscrire. ce qui veut dire que physiquement, il ne peut pas souffrir et il n'a que 34 ans. Et quand on essaie de regarder, ne serait-ce qu'au niveau de la distribution, parce qu'il n'a pas besoin de faire des kilomètres, c'est encore un joueur très important, même dans le système Ancelotti. Et voilà aussi, quand vous avez à côté de vous quelqu'un qui a quand même 5 Ligues des Champions, qui a 5 mondia, euh, mondiaux des clubs, et qui a par exemple toutes sortes de. qui a la Coupe du Monde, eh bien, vous vous dites quand même qu'avec Tony Kroos, c'est assurance 100%, et vous-même, vous vous référez à lui. Oui et six sélections pour Tony Kroos, euh, retraité depuis 2021, donc il a quand même participé à certains échecs aussi de, de l'équipe d'Allemagne. Et la une du build était flagrante parce qu'en 2014, après la victoire 7-1 contre le Brésil en demi-finale, il, 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 il y a Tony Kroos à la une avec un titre qui était, alors je ne sais, je sais plus la prononciation exacte en allemand, mais je crois que c'était sans mots. Et après l'élimination au premier tour de la Coupe du Monde 2018, donc quatre ans plus tard, Avec il y a Cross. la même photo, Tony Kroos, et il y a le même intitulé. <laughs> et en fait, du coup, il y a euh, le mécontentement, la déception des Allemands s'est un peu focalisée sur lui. Alors que c'est un très grand joueur, effectivement. On lui reprochait de faire trop de places latérale, de ne pas assez courir. Et, et donc, du coup, il a, il a jeté l'éponge. Il a quitté la sélection, un peu en, en catimini, parce que c'était pendant le, le covid et euh, donc non, a... je crois qu'il est parti en 2021 hein. toi tu me parles de 2018 là Non, non après, il est parti après, en 2021 mais il fait aussi ouais, de le temps, temps, euh, euh, de Croce, me semble-t-il L'Euro euh, 2021. Euh, il n'y est pas. Il n'y est pas en 2021. Il part vraiment. Il était dans un COVID. certain nombre de guides de, qui avaient été dit en 2020 où il y avait effectivement Tony <laughs> Cross pour représenter l'Allemagne, mais dans le mien, il n'y était pas, puisque <laughs> effectivement, il avait pris sa retraite internationale entre temps. Parce qu'il il avait, il avait un peu traîné euh, Xavier. On voit dans les <laughs> images qui, euh, qui défilent derrière nous, on voit euh, un homme qui compte et qui a demandé à Tony Cross de revenir, parce que Tony Cross ne décide pas tout seul, c'est Julian Nagelsmann, donc le sélectionneur. De la manche depuis septembre dernier et qui a demandé à Tony Kroos de, de revenir. Euh, tout le monde était très positif, nous dit Nagelsmann, qui a appelé les joueurs, euh, les cadres en tout cas de l'équipe d'Allemagne, pour savoir s'ils étaient, étaient d'accord. Donc c'est une bonne chose, ça, d'être souhaité par un entraîneur qui a donc un mieux, projet pour vous. C'est mieux, mieux d'être validé euh, l'été par son sélectionneur. C'est bien d'être validé par euh, la jeune classe. Ça veut dire qu'ils savent de quoi il est capable. Ils savent aussi que ce n'est pas quelqu'un qui va se transformer en marathonien à courir partout. Après, Un pour ça. Et voilà, mmh. je pense mmh. qu'il y a des joueurs autour justement pour compléter, pour faire de soit des bobinomes, soit des trinomes. Et puis, franchement, moi, ce qui me choquerait, c'est qu'on le rappelle juste pour jouer les tontons et mettre la main comme ça sur le non, dos il sera des mecs. selon vous. Voilà, faut, faut, faut jouer. Faut, faut il joue jouer au Real bah, bah. mais je t'ai pas dit le compétitif je t'ai pas dit le contraire, je, 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 pas dit contraire, le contraire je te, te dis je rappelle pas ce monsieur si tu le fais pas jouer oui, il est plus qu'un il est plus qu'un encadrant au Real il est il fait partie des hommes forts d'un club qui fait une, une excellente euh, oui, saison parce, parce pour que parce que vous voyez même aujourd'hui Ancelotti préfère mettre euh, Modric euh, au banc qui quand même a aussi une bonne condition physique il préfère mettre des jeunes nous voilà. donc ouais, on euh, prend, mais voilà au banc mais Aubin, mettre, il met quand même Tony Kroos et qui peut même jouer parfois comme sentinelle ce qu'il ne faisait pas souvent il était très à ce niveau-là, mais cette fois-ci, on a vu que c'est un joueur qui réussit à faire maintenant là, au, niveau, une couverture après, au niveau de la défense. Donc pour moi, l'Allemagne n'a pas eu avancé sans Toni Kroos. L'Allemagne a compris que elle n'avançait pas et que justement, le milieu de terrain, il n'y avait pratiquement personne. Eh bien, on revient prendre Toni Kroos, comme le dit aussi un proverbe africain si tu as acheté de nouvelles chaussures qui te donnent les ampoules aux pieds, pas récupérer les anciennes. Voilà, un <rire> dernier <rire> proverbe, enfin. Peut-être pas le dernier, mais en tout cas, ça nous permet d'aller tranquillement vers les cartons. Moi, j'ai pas de transition, donc on y va. Carton jaune. Un carton Carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Rien à dire. Et avant d'entendre un nouveau monologue de Rémy Ngono, eh bien, on va écouter nos auditeurs qui ont du talent et qui ont aussi des cartons. Bonsoir Radio Foot International, c'est Diallo Amadoui depuis Conakry. J'adresse un carton vert à Simon Adingra, l'international ivoirien, comme la couleur de mon bonnet. Après avoir été le meilleur jeune joueur de la Cannes, pour ce retour de la Cannes ce week-end, il a été double buteur de Brighton face à Sophie United. Salut tout le monde, moi c'est Primacy depuis depuis Northshort, uh, Mauritanie. Et voilà, mon carton, il est rouge, rouge comme ce possède qui est là, à Thomas Tuchol. Et dire que nous, les Sénégalais, on avait cru que c'était ça de demandait le problème. Bonjour RFI, bonjour France 24, c'est M. Domi Aladji depuis la République démocratique du Congo. Je voulais donner un carton vert à Jean-Luc Gasset pour son début avec l'OM qui s'est qualifié pour l'Europa League j'espère que ça va continuer comme ça pour l'OM Salut Radio Foot, moi c'est Eric depuis Montréal au Canada mon carton il est bleu et blanc comme l'Olympique de Marseille et particulièrement adressé à Pierre-Emerick Aubameyang qui est devenu hier le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue Europa il faut croire que malgré la tempête, on peut quand même sortir la tête de l'eau Salut le Café des Sports, ici Oumar Baro depuis le Sénégal. S'il y avait un carton au dessus du rouge, je l'aurais attribué à Mehdi Benassia, le désormais conseil sportif de l'OM. Ruger, en tant que joueur, on l'a connu, mais de là à l'être à travers sa langue, franchement, c'est dépassé. Descendre Jonathan Klaus devant tous les médias et de façon virulente, franchement, l'expression de Napoléon n'a jamais été aussi trahie, selon laquelle le linge sale se lave en famille. Bonsoir, Radio Foot International. Bonsoir à Rémi Ngono. Alpha Mamoudou Diakité, madridien de la Guinée-Conakry. Je donne un carton rouge à Xavier Barré d'avoir cru que la visite de Kylian Mbappé en Catalogne était de signer un contrat avec le Barça. Xavier, qui va porter le numéro 10 de la Maison Blanche la saison prochaine Je suis Barra Olesen depuis Ouviran, en République démocratique du Congo. Et bien, mon carton est rouge. Rouge, adressé à l'équipe d'Arsenal qui qui a confondu la Ligue des Champions et la Première Ligue. D'ailleurs, ce sont les deux choses tellement de différentes. Merci. J'aime Annie Gassnier, Rémy no, Frédéric Cicito. Mes salutations à chaque membre de l'équipe. Merci. Bonne soirée. Bonsoir Radio Foot International. C'est Bella Diallo depuis l'abbé en Guinée-Conakry. Je voudrais adresser un carton vert à Rasmus Højlund, l'attaquant danois de Manchester United qui depuis un certain temps confirme les espoirs placés en lui. Après 14 matchs sans marquer, il vient de scorer pendant six matchs consécutifs et devient le plus jeune joueur de l'histoire de la Premier League à avoir 6 buts. Merci et bonne continuation à lui. Bonjour, je m'appelle Oumarba, je vous écoute depuis la Floride, aux États-Unis. Je voudrais donner un carton rouge au président de la Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Yassine Diallo, pour avoir émis l'idée de faire faire une pige à Hervé Renard, alors qu'il avait sous la main un diamant en la personne de MS Faye. Car, comme le dit un proverbe africain, le poisson que tu as sous le pied ne devait pas te faire lâcher le poisson que tu as dans la main n'est-ce pas Rémi Bonjour mesdames et messieurs, moi c'est Ali Charabas directeur direct de la République Centrafricaine de la capitale Bangui. nous avons deux cartons verts à vous proposer, la victoire de Marseille face à Shakhtar un score de 3-1 et je vous laisse l'avis de mon petit frère Abdoulaye Le deuxième qui va directement à l'autre Olympique c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais qui fait remonter en puissance depuis le début de février avec quatre victoires de suite et vraiment on espère battre les mains ce soir aussi Allez, l, allez Allez Présent, présent Incroyable ces cartons. Puis un peu personnalisé, hein, le, le, ouais. le prénom ouais. sur le t-shirt, mmh. le carton rouge adressé à Xavier Barret Un point me... de réponse une autre fois, parce que je crois que vous n'avez pas tout à fait compris ce qu'on qu vous reprochait. Non, ouais, un ça. peu surpris par notre ami en Guinée. Et puis, pas des, des, dit ça, mais... pas des imitateurs, mais des disciples. Beaucoup, beaucoup de proverbes africains très bien. inspirés mmh. chez, nos, chez nos auditeurs. Amin Gounod, vous avez de la, de la concurrence. On commence par qui, Franck Ouais, moi, c'est un carton vert que je décerne conjointement au ELI du Caire et aux Zamalek. Euh, après des années de, de tension. Les, les présidents se sont retrouvés il y a quelques jours. Euh, le président Bibo Al-Khatib, ancien avant-centre du ELI, et le, président, le nouveau président Hussein Labib du Zamalek. Alors, il y a toujours des conflits entre les supporters, les ultras, ça va continuer. Mais euh, voilà, ils se sont retrouvés au sein du club, il y a des échanges de nouveau, et ça va plutôt dans le bon sens. Ils se retrouveront sportivement dans quelques jours pour la, la coupe, Shock. la finale de la coupe euh, euh, d'Égypte, ce sera en Arabie Saoudite. Vers aussi, ouais. Vers aussi aux supporters allemands, oui, qui depuis plusieurs semaines perturbent les matchs de la Bundesliga de façon intelligente, avec... Euh, des jets de balles de tennis avec euh, des voitures télécommandées qui obligent l'interruption des <laughs> matchs de façon un peu amusante pour protester contre l'entrée d'un fonds d'investissement dans la société qui dirige la Ligue professionnelle de football allemande. Or, il y a une loi en Allemagne qui interdit au club d'avoir... De, que les étrangers prennent possession des clubs. Les Allemands doivent garder 51%. C'est le fameux 49 euh, plus, 51, 1, 50, ouais, 51%, 50 plus 1 51, 50 plus 1. Et donc, ça protège les clubs allemands de raides d'investisseurs étrangers qui veulent juste faire du fric. Eh bien, la Ligue était prête, elle, à se vendre à un fonds d'investissement. <laughs> les supporters ont dit non, et la Ligue est revenue sur ce vote qui avait été pris en novembre 2023, et ils ont finalement renoncé à, ce, à, ce, à cet euh, abandon de souveraineté à l'égard des, sous l'impulsion des, sous l'influence des supporters, parfois c'est important que les supporters aussi manifestent, mais de façon intelligente quand ils ont un message à faire passer. Peut-être que la, la ligue française pourrait euh, prendre quelques leçons euh, euh, chez le ouais, voisin. Elle devrait parce que elle va devoir. Les clubs professionnels français vont devoir sortir 236 millions d'euros pour le fonds CVC, donc le même fonds qui était prêt à prendre des parts en Allemagne. Euh, Puisqu'ils ont fait entre guillemets de l'avance sur recettes, plus d'un milliard auprès des clubs français, maintenant ils veulent se rembourser à hauteur de 13% à vie. Un petit carton rouge alors pour euh, euh, la manière dont le, le foot français est géré. Rémi Gono. Vert Ah De bons vert. sentiments, ça change Oui, vert Pour quelqu'un à qui tout le monde, euh, enfin beaucoup donne le carton rouge actuellement en Côte d'Ivoire par des railleries dans des réseaux sociaux, max et la Gradel. Et pourquoi parce que le gars qui vient de remporter beaucoup de millions a eu l'élan de cœur de donner 1500 euros, dont un million de francs CFA, à un monsieur de 72 ans qui, dans un litige foncier, a perdu non seulement ses trois maisons, mais aussi ses deux magasins, mais se retrouve maintenant dans une cabane avec ses six enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Alors, Max Gardel, lui, il a été généreux. Il a dit, prenez quand même euh, un million là pour euh, essayer de, au moins d'inscrire vos enfants. On dit, mais non Tu as eu 50 millions, tu as eu 95 millions. Il fallait donner beaucoup de millions. Et tous ceux qui disent ça, ils n'ont pas donné un seul centime. Bah, ils demandent à Max Gardel d'aller résoudre les problèmes des autres et qu'eux-mêmes, ils ne donnent rien. Comme le dit un proverbe africain, « L'avare trouve toujours beaucoup d'argent dans les poches des autres. <laughs> » Max Salagradel, double champion d'Afrique et, et salué par Rémy Ngono. Ouais, le vieux je père, je ne sais monsieur. pas quelle partie de ce palmarès il, il va chérir le, le plus à l'avenir. Max Salagradel. peut-être votre votre carton plus que ses, <laughs> ces deux cannes. Le carton de Radio <laughs> Foot vert également que de bons sentiments aujourd'hui vert comme le maillot que portait il y a longtemps Rino della Negra, jeune footballeur du Red Star dans les années 1940 d'origine italienne né dans le nord de la France entrée en résistance contre l'occupant nazi fusillé il y a pratiquement 80 ans, jour pour jour avec d'autres résistants du groupe Manouchian, Missak Manouchian chef de ce groupe de résistants a fait son entrée au Panthéon français ce mercredi en compagnie de son épouse Mélinée, mais sur une plaque à l'entrée du caveau de ce couple a été gravé le nom de Rino Della Negra et le nom des autres membres de ce groupe de résistants et de manière permanente également une tribu du stade Bauer, le stade du Red Star à Saint-Ouen, donc c'est juste à côté de, de Paris, porte son nom, Rino della Negra. Et puis le, le Red Star qui est entraîné euh, en 3ème division française par un ami, bibay et, et qui réalise euh, des merveilles. Mais voilà, une, pour une belle figure de footballeur euh, résistant. Et, ouais, ouais. Et, euh, et un rappel voilà que le, le football et la vie se, se mélangent ouais. souvent. Merci Alice Ménard, euh, soit le qui hier. Yann Bourdelas, félicitations à lui, David Finzel. Pierre-Olivier Guérin et, et toute l'équipe, Annie Gasnier qui revient lundi, Mondial Sport ce week-end sur RFI en attendant une excellente soirée.